Coucou tout le monde, c'est Léa. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance sport tous ensemble. Voilà, donc vous aurez juste à vous munir d'une bouteille d'eau pleine. Et voilà, donc on va commencer par un petit échauffement, donc tout d'abord de la mobilisation du corps. Ensuite, on va faire un petit échauffement des muscles. Ensuite, un petit peu de gainage. Un tout petit peu de cardio et après on va commencer les exercices et enfin le stretching à la fin. Voilà. Donc c'est parti, on est ready, on y va. Donc voilà, tout d'abord, on va s'échauffer toute la nuque tranquillement, les épaules. Là, on s'étire un petit peu les cuisses. Je s'étire. On monte pour un peu faire travailler les mollets. Voilà. Ensuite, alors, au programme, donc quand on a bien pris le temps donc de s'étirer, on va commencer donc par faire une dizaine de squats. Donc on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Ensuite, je regarde bien tout mon programme. Ensuite, on va venir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 et 10. Voilà. Ensuite, on va faire 10 pompes pour réchauffer un petit peu les épaules et le haut du corps. Pour ceux qui n'arrivent pas sur les genoux et sinon des pompes normales. Voilà. Donc quand on a fait tout ça, on va venir et on va faire le gainage. Donc on va commencer par un gainage de face, ensuite un gainage sur le côté et ensuite le Superman. Voilà. Donc on est parti, gainage de face pour 30 secondes. C'est parti. Ok, super. Maintenant, on peut faire le gainage sur le côté. Donc pareil, 30 secondes sur le côté gauche.
Et ensuite, on part sur le côté droit. Ok, ensuite on va faire le Superman, donc on se met comme ça et on lève pendant 30 secondes pareil. Ok, voilà, donc là ça va commencer un petit peu à chauffer et ensuite on va attaquer ce qui est la petite partie cardio. Ok, donc on va commencer par faire 20 secondes de montée de genoux, 20 secondes de talons-fesses et 20 secondes de jumping jacks. Voilà. Et on va faire le tout deux fois et après on sera bien chaud pour attaquer la séance. C'est parti. Vous êtes prêts? Montée de genoux. C'est parti. On attend 10 secondes. Voilà. On essaie d'être bien gainé à chaque fois, de serrer les abdos et d'être le plus tonique possible. Talons-fesses, c'est parti. Voilà, donc ceux qui ont besoin de boire à chaque fois, vous pouvez boire, il n'y a aucun problème. Ensuite, donc 10 secondes, pareil, et maintenant on va partir sur le jumping jack, c'est parti. Voilà, nickel. 10 secondes et on repart sur la même chose. Ok, montez genoux, c'est parti. Ok, nickel. Ok, talons-fesses, c'est parti. Ok, le dernier, au lieu de faire un jumping jack comme ça, on fait un jumping jacks devant. C'est parti.
Nickel. Bon, on a fini tout ce qui est partie échauffement. Voilà. Donc, avec une première partie donc, où on s'est bien étiré. Ensuite, on a fait une mobilisation de tout le corps avec des squats. On a bien chauffé tous les muscles du corps. On a fait une petite partie gainage parce que voilà, c'est toujours important. Et ensuite, on a fait une petite partie cardio. Donc voilà, je ne sais pas vous, mais moi, ça commence déjà un petit peu à chauffer. Donc, c'est parti. On peut boire un petit peu. Et voilà. Maintenant, on va être parti pour la petite partie de travail. Donc voilà, je vais vous montrer une fois les exercices à faire. Et ensuite, ces exercices, vous pourrez les faire 2, 3, 4 fois en fonction de votre niveau de forme, en fonction de, voilà, de comment, de votre niveau sportif. Donc, on va commencer tout d'abord par... Donc voilà, vous prenez votre bouteille d'eau. Donc, pareil, ça dépend des personnes. On peut faire, si vous avez un niveau de sport assez élevé, vous pouvez mettre la bouteille totalement remplie. Ensuite, pour ceux où c'est un peu trop lourd, vous pouvez mettre en dessous. Si la bouteille d'eau, maintenant pour moi, c'est vrai que j'ai pris ça pour vous, mais si maintenant il y a des gens qui ont des poids plus lourds, vous pouvez prendre plus lourd. Hein. Voilà, si c'est trop lourd, vous pouvez prendre plus léger. Voilà, tout le monde s'adapte en fonction de son niveau. On essaye et on regarde. Donc on se positionne bien. Voilà, on prend la bouteille d'eau, on descend et on monte. On descend et on monte. Et c'est juste avec le bassin. On fait monter la bouteille d'eau juste avec le bassin. Voilà. Comme ça. Je vais vous montrer. On se met comme ça. Et juste avec le bassin. Voilà. Ça va faire travailler tout ce qui est fessier et ischio derrière. Hein. Donc c'est bon, on est prêt à le faire 20 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Alors là, on l'a fait une fois, 20 répétitions. Pour ceux où c'était juste très facile, je pense que voilà, vous pouvez le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous mettez la vidéo sur pause et vous pouvez le faire plusieurs fois. Je vous l'ai montré une fois, mais vous pouvez le faire en plusieurs séries. Ensuite, on va faire les pogo jump. C'est 14h05. Oui, je vais dire à François. C'était Léna Cazotte. Voilà. Donc ensuite, on va continuer par des pogo jumps. Donc là, je vous invite à vous mettre comme ceci. Et donc, ça va juste être des petits jumps qui vont faire travailler les mollets et les cuisses. Donc vous vous mettez ici, gainé. Et juste avec les mollets, vous faites des sauts. Le but, c'est d'être gainé, voilà, et de travailler juste l'explosivité avec les chevilles et les mollets, voilà. Donc ça, on va le faire 10 fois, ok? Donc on se met là, on regarde qu'il n'y ait rien à côté pour pas se faire mal, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, voilà. Donc ça c'est pareil, vous pouvez le répéter plusieurs fois, donc ça travaille le cardio, ça tonifie les jambes, voilà. Ensuite, on reprend la bouteille, voilà. Donc là on va se mettre là et on va faire des fentes latérales et on va remonter. Fente latérale et on remonte. Donc ça on va le faire 10 fois de chaque côté. C'est parti. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se décale, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, la dernière, et 10. Donc voilà, ça c'est pareil, vous pouvez les faire plusieurs fois avec plus ou moins de poids. Voilà, c'est à vous de gérer en fonction de votre niveau. Ok, ensuite. Alors, donc moi j'ai ça. Ça peut être, voilà, une table, un canapé, n'importe quoi à la maison. Le but, ça va être donc, si on veut travailler le bras droit, de mettre la jambe gauche sur le canapé, la table, ce que vous avez à la maison. La main gauche ici. On prend la bouteille et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait la même chose de ce côté-là. Jambe gauche ici comme ça. Main droite là. Et hop. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc ça c'est pareil, vous pouvez faire plus de répétitions avec plus de poids en fonction de ce que vous avez à la maison. Voilà. Ensuite, dernier exercice pour faire travailler les bras. On se met en position de pompe. Voilà, sur les genoux. Et on va descendre 10 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc voilà, c'était les 5 exercices proposés pour la petite séance d'aujourd'hui. Donc ça, quand vous les avez fait une fois, vous pouvez refaire tout un bloc deux fois, les refaire trois fois, voilà. Donc moi ici je vous ai pris donc une bouteille d'eau parce que je sais que tout le monde a une bouteille d'eau à la maison, mais bien évidemment vous pouvez prendre n'importe quel poids en fonction de votre force et de vos habitudes sportives, voilà. Donc moi je vous invite à faire ce programme trois fois, donc voilà les cinq exercices, de les faire trois fois. Et de finir par soit le petit cardio que j'ai commencé au début, soit de refaire un petit peu de gainage. Et là, vous aurez une bonne séance de sport et vous aurez travaillé tous les muscles de votre corps. Voilà. Donc maintenant, super important. Voilà, on pense bien à s'hydrater et à bien s'étirer à la fin. Voilà, donc pensez. Moi, je trouve que c'est une bonne technique, voilà, de faire du bas vers le haut. Je trouve ça relaxant aussi, voilà, de faire les chevilles comme ceci, de faire les mollets comme ça, ensuite les cuisses. Voilà, on n'oublie pas le bassin. Voilà, avec les situations actuelles, c'est bien de s'écouter, d'écouter son corps. Voilà, de prendre soin de soi. Ensuite les épaules, la nuque, très important. Voilà, on essaye de se détendre. Et voilà, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Voilà, vous nous manquez. J'espère vous revoir très très vite au Palais des Sports. Et voilà, j'espère que nos petites vidéos et le fait de nous voir vous aura fait du bien. Plein de bisous et à bientôt. Vous nous manquez et voilà, merci de nous soutenir. On ressent votre force, on ressent votre soutien et on va faire au mieux pour gagner le maximum de matchs en cette fin d'année. Et voilà, j'espère vous retrouver tous l'année prochaine. Plein de bisous.